Et coucou ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, enfin ce matin et cet après-midi. Par contre, je suis encore sur Minecraft. Non mais n'importe quoi. On a dit pas Minecraft, on a dit Horizon. D'ailleurs, Minecraft, faudrait que je le coupe. Hop. Oui, lol. Vas-y, fous-toi de moi. Fiche-toi. Re. Heureux. J'ai fait le premier petit fail de la soirée. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah, j'avais oublié de changer ma scène. Du coup, j'étais sur Minecraft au lieu d'être sur Horizon. Ah bah En lançant. GG. Bon, c'est pas bien grave. Du coup, je suis en train de quitter Minecraft. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, on va continuer Horizon. Du coup, ouais, j'ai un petit peu avancé quand même. J'ai refait bah, tout ce qu'il y a là en bas, là. Mais par contre, ouais, j'ai encore pas mal de choses. J'ai pas encore fait le creuset, mais là, je pourrais y aller techniquement. Et il me semble qu'avant, j'avais fini toute cette zone-là. Et que j'avais fait au moins ces deux girafes. Non, celle-là et celle-là. Ça, c'est sûr. Et j'avais commencé quelques quêtes. J'étais allée jusqu'à Méridian et tout. Donc, bon, on en est encore un peu loin. Et ça, il me semble que c'est le DLC, ça. Celle qui est tout en haut, parce que ça, je m'en souviens pas. Y avait pas encore ces quêtes-là. Ça s'arrêtait jusque-là, je crois. Et cette quête-là, c'est quoi? Parce que je l'ai vue nulle part. Je sais pas. De cas. Bah, pour le moment, ça va. Horizon, pour le moment, je rattrape juste mon retard de ce que j'avais fait avant, donc. Ok, ça marcherait. Donc pour le moment, ouais, ça va au niveau horizon, mais si jamais j'ai besoin, ouais, je te demanderai. Là, de toute façon, il me faut 2 points de compétences à chaque fois, donc ce sera pas pour tout de suite. Bref, du coup, je voulais aller faire ces deux petites zones-là, ces deux petites quêtes, l'anneau de terre et 4 pots de sanglier. Eh ben, c'est parti. Comme ça, on va passer par le feu de camp aussi. Du coup, c'était par où c'est qu'il faut que je parte? Par en haut? On peut sortir par en haut? Ah oui, par là. Mais ouais, du coup, j'en suis au même point qu'Oran, quasiment. Non, bah Deux cool. niveaux près. Parce que je sais que enfin, dans son dernier live, Oran venait passer le niveau 15. J'en suis au niveau 12. Ça va. Et il allait faire le creuset, et moi j'ai pas encore fait le creuset, mais je continue un petit peu les petites quêtes autour. Par contre, niveau vie et tout ça, je suis bien. Ça, y a pas de souci. T'es niveau combien toi? 12. Ah oui, t'es plus haut que lui en niveau. Bah après, j'ai Donc, pas fait autant de quêtes que lui. Il y a des quêtes que lui il a dû faire et que j'ai pas encore faites. C'est pour ça aussi. Mais là, si je veux, je peux aller faire le creuset, quoi. Parce que normalement, il est niveau 8. Donc après je sais qu'il était bien ouais, galère, mais c'est bon après j'ai bien amélioré mon armure, mon arc et tout, donc normalement ça devrait pouvoir se faire tranquillou. Enfin tranquillou, tranquillou, faut vite le dire, de mais. manière faisable. Alors là par contre il y a des petits méchants. Mais non t'inquiète, ça passe. On est dedans là du coup? Trouver l'anneau de temps. Difficile de différencier les traces. Ce sont celles de Thane et d'un sanglier. Ouais, du coup, moi c'est cette piste-là que je veux. Bah, on va se tuer toutes les bébêtes, hein? En plus, ça me ferait des éclats de métal. Je suis en manque d'éclats de métal. Tu vas me donner envie de platiner le jeu. Bah, celui-là, j'ai vraiment envie de le platiner, tu vois. Autant, il y a des jeux, tu te dis, ouais, bon, le 100%, au pire, osef. Mais celui-là, ouais, clairement, j'ai bien envie. J'ai vraiment bien envie de le faire à 100% de chez 100%. Parce qu'il est tellement génial que, ouais, carrément.
Mais vas-y, platine-le comme ça, au moins, quand j'aurai besoin, tu pourras me dire. Comment elle est? Et bim. Après, moi, j'ai pas peur d'aller au corps à corps avec les bestioles, là, parce que je les tue en 2-2, du coup. Bon, après... de suite, comment elle se vend. Parce que quand il y en a beaucoup, ça commence à faire bobo, mais... dis-moi, toi. J'ai pas encore pris la compétence pour siffler, là. Il faut que je la prenne. Je pense que c'est la prochaine que je prendrai, parce que c'est un peu relou de... De devoir lancer des pierres, tout ça. Par contre, il y a un truc que je suis en train de me dire quand je vais avoir mon casque. Faudrait que je pense que quand je vais chuchoter, ça va s'entendre aussi. Oui. Parce que des fois, ça m'arrive de chuchoter un truc. Pour que ça s'entende pas en vocal. Bah oui. Et ben là, faudra que je fasse gaffe. Oui. Aidez-toi. Il te faut un point de compétence. Bah oui. C'est bien une femme, lol. Non mais oh, tu te calmes. On parle pas comme ça des madames, c'est méchant. Elles sont un peu toutes trop vers moi, là. On se calme, les machines, on se calme. Allez, c'est bon. T'inquiète pas. Hop là, t'as rien vu. Ah, attends, lui il est là-bas. Du coup, on va aller se faire celle-là. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, on va faire celle là-bas. Par contre, le veilleur, j'aimerais bien qu'il se tourne dans l'autre sens. Et qu'il reparte par là-bas. Oh, quoique. Ouais, il y a de quoi se cacher juste là. Hop là. Ça, c'est fait. Est-ce que le veilleur va voir ou pas? Oh oui. Il a vu. Ah voilà, c'est ça, c'est un veilleur, je cherchais le nom tout à l'heure. Oui. Et les veilleurs, je les one-shot avec mon arc. Moi, me vanter? Non. C'est pas mon genre. Ah ah! Je t'ai eu. Tu peux pas tester. Hop, ok. Alors, du coup. Pas de marque. Qu'est-ce qu'il a tué? Il y a une chose dans la gorge. Au revoir. Par contre, j'ai peut-être coupé la musique, parce que du coup, on n'entend pas trop les voix. Hop. Voilà, tant pis, vous aurez pas de musique de jeu, mais... Enfin, pendant le jeu. Alors, du coup, faut qu'on aille à l'autre point. Récupérer 4 pots de sanglier. Ok. No problemo. Oh oh, le denti. Le denti, voilà quoi. T'as pas l'air convaincu par ce denti. Ben, j'avais pas vraiment prévu de l'avoir sur mon chemin, on va dire. Après on peut se le faire, hein. Je sais pas. Tu leur fais facilement des dégâts, ou dans le site, toi? Ouais. Attends, je vais aller me faire le sanglier qui est là. Oh, j'avais pas vu, il y a une bestiole là-bas en face. C'est quoi, c'est un brouteur? Ouais, un brouteur, il y a des veilleurs. Oh, mais il y a du monde ici. C'est quoi tous ces gens? Enfin, tous ces mobs, du moins. J'irai bien, genre par là-bas. Il est où le gros Graou là? Le retour du Graou.
Bah ouais, un Dante 6, c'est un Graou. Allez, là-bas. Marquer la cible. Merde. Ok, il est là. J'ai bien envie d'y mettre des câbles. Non, 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 tu m'as pas vu. Allez. Aïe. Tu galères, Clint? Non. Je vois pas de quoi tu parles. Allez! Allez! Bim! Allez! Il est presque mort! Voilà, c'est bon, on l'a eu. Et ben voilà. Ça c'est une bonne chose de fait. Du coup, nous ce qu'on voulait c'était des sangliers. Bon par là il y a des bestioles. Dommage. Ouais, toi t'as repéré qu'il y avait une bébête qui était morte. Je sais. Du coup tu vas venir par là et puis on va te zigouiller. Voilà, ça c'est fait. C'est pas très gentil quand même de zigouiller les gens. Ah comme ouais, ça. Mais attends, t'as vu ça Ils font bobo en plus quoi. Sanglier, sanglier, il y en a un là. Il y en a un là. Oh bah, faudra que je me fasse les bestioles. Hein. Je me souvenais pas qu'ils faisaient mal les veilleurs. Bah, quand ils tapent, si quand même. Si je pouvais pirater cette machine. Oui, bientôt, bientôt. Une fois que t'auras fait le creuset, tu pourras. Hop là, pour le moment, tu peux juste les aiguiller. C'est déjà pas mal. On va les aiguiller celles là-bas aussi, comme ça elles nous embêteront pas. Alors attends, il y en a une là, et le veilleur là-bas. Ok. Ah, le veilleur il a repéré. Il va venir vers nous. Viens là, petit, petit, petit. Et bim! Ah, par contre, j'ai la manette qui tremble sur le bois de mon. On m'entend à peine. Ouais, je me doute. Genre par là et là bim. Voilà, et toi on va te repartir derrière aussi et bim, voilà, ils ont tous mouru. On en parle du cadavre qui a sauté à 15 km alors que je venais de le tuer. Crash, je vous jure. Du coup, sanglier, sanglier, où êtes-vous passé? Ok, il y en a un là. Viens par là, petit, petit, petit. Bim! C'est quoi la grosse machine là-bas? Ah non, c'est un veilleur encore. Ok. Moi, je vais aller par là. Et je veux des sangliers. Ah, là-bas.
Ouais, les dindons, c'est bon, hein. Moi, c'est les sangliers qui m'intéressent. Bim! Ah, il refait jour. Droite, gauche, droite, gauche. Ah, on va aller à gauche. J'espère juste qu'il n'y aura pas de machine. Oh, un Ben qui est connecté. Oups, il y a une machine. C'est pas grave, la one shot. Je crois qu'il a rage kit. Ah bon? Non, j'en sais rien. Il était sur le serveur et puis d'un coup on a entendu. Enfin, on a vu. Ben left the game. Ah. Ok. Et voilà, on a nos quatre. Par contre, je dis pas non pour la petite dinde là. Ou par contre, les dadas. Non, tu m'as pas vu. Ok, ça va, je les one shot aussi. Ils sont encore en train de se droguer comme des petits fous sur le store. Ah, mais non. Ok, du coup, on a fait ça. C'est cool. Du coup, faut qu'on retourne voir Tame. Et ben, on va y aller comme ça. Voilà. Parce qu'on veut aller vite. Oh, la flemmarde. Ouais. En plus, tu pourrais chevaucher un galopeur et tout, mais non, non, même pas. Ouais, non, mais ça va, c'est à côté. Je vais prendre un galop de peur pour aller juste à côté. Je suis sûr que tu sais même plus comment on fait pour le pirater. Ah, si ? Si, si, c'est bon, j'ai appris la compétence et tout, et je peux maintenant. Vas-y, je te crois pas. Bah, si. Attends, je parle à Tame, et puis la prochaine fois qu'on aura besoin d'aller loin, je prendrai un galopeur, tu verras. D'ailleurs, je crois que j'en ai déjà piraté au moins un ou deux, du coup, je dois pouvoir les appeler. Ok, du coup celle-là c'est fait. Oh, j'ai mes deux points de compétence. Je vais pouvoir. Alors j'ai dit moi que je prenais sifflet. De ton armure que de celle qu'a pris Oran. Je crois pas que vous ayez la même. Mais... Non, je crois pas non plus. Je suis ah, tiens, vers vous. Ouais, donc ça je prends. Ah, ça coûtait qu'un point en plus. Ok. Davantage de ressources naturelles durant la récolte. Ouais, pourquoi pas aussi. Ça peut servir. Alors, du coup, où qu'on va maintenant? Ça, c'est les zones corrompues, mais on n'a pas encore débloqué les quêtes pour. Du coup, j'ai le creuset, ou j'ai zone de chasse. Sinon, il y a celle-là, la vengeance des Nora. Je crois que je vais prendre la vengeance des Nora. Parce que là, du coup, en quête principale, j'ai une chasseuse aux portes. Ah bah, c'est celle qui est là, d'ailleurs. Parler à Maeria. Bah, on va aller la débloquer, d'ailleurs. Où qu'elle est, elle? Ok, elle est tout là-bas. Mais peut-être bien qu'on se fera le creuset ce soir. Hein. Y a moyen. Je risque de me fail, mais... Vas-y. Oh oui, cool. Je vais sûrement mourir plein de fois. Le creuser. C'est pour ça que ça va être drôle. Ouais. Oh, la machine que j'ai le moins aimée, enfin que j'aime le moins, jusqu'à maintenant... C'est celle qui devient transparente là. Ah, celle-là, j'avais galéré. Sur cette quête-là. Sur cette quête-là, j'avais bien galéré. Et moi, mon armure, j'ai pris. Là, j'ai mis celle qui camoufle bien. Fait que je me fais pas trop repérer par les animaux. Alors, du coup, j'avais pas suivi du tout ce qu'elle avait dit. On va peut-être essayer de suivre. Le reste. Quel village abandonné? Il avait un nom, mais on l'a oublié. C'est la tuée. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre.
Les Karja l'ont détruit pendant un des raids rouges. J'avais 15 ans. J'ai pu fuir, mais d'autres ont eu moins de chance. Les Nora ont laissé libre la vallée pour venir ici à la couronne de la mer. De nos jours, même après la guerre, on évite la vallée. Comme une zone grise entre l'hélium et nos terres sacrées. La couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées. Vous voyez souvent des étrangers. Oui. Pas ici, au village, bien sûr. Dans la vallée, derrière. Depuis la fin de la guerre, la vallée accueille les étrangers, qui commercent avec les Nora. C'est un peu une zone intermédiaire qui n'appartient en fait à aucune tribu. Si ça t'intéresse, va au refuge des chasseurs. C'est plus une série de cabanes de tentes qu'autre chose, mais c'est un point d'étape pour les étrangers. Le genre d'endroit où je pourrais en apprendre plus sur Méridien. Puis c'est pareil, Oran il a commencé à faire les zones corrompues, moi j'ai pas encore accès à ça. Ouais, bah il a bien galéré d'ailleurs. Ouais, j'ai vu ça. Il y en aurait au sud aussi, oui. Quelle qu'en soit la nature, elle n'affecte pas que les machines. Elle brûle les chairs et rend malade les blessés. Ces machines corrompues ont des points faibles. Le feu semble les... Bah ça avait peut-être les débloquer du coup, vu qu'elle parle de corruption là. C'est peu de choses. Je sais plus ce qu'il fallait pour les débloquer, les quêtes de corruption. C'est pas moi qui vais te dire. Les matriarches ont parlé. Nous ne pouvons que combattre. Qui est responsable de la défense. La couronne de la mer sait se défendre. Pendant la guerre, nous avons... J'ai fait mon premier village de bandits aussi. Invasions. Nous tenons. C'est justement en s'accrochant au passé qu'on fait... C'était des terres, non ? Ouais. J'ignore sans doute, mais j'ai gagné l'éclosion aussi. Comme toi, le début a été dur, j'ai dû trouver un raccourci. J'ai failli échouer. J'ai franchi l'arrivée avec une cheville cassée. Ce n'est pas l'éclosion, Maria, c'est la vraie vie. Tu ne comprends pas. Être envoyé à la couronne de la mer... C'est moi qui en ai fait la demande. C'était ma récompense. Honorer la gloire des Nora ne m'a pas encore tuée. J'en serais heureuse, si ça arrivait. Mm-hmm. Il faut que j'y aille. D'accord. Sois très prudente, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ok. Zone corrompue. Voilà, c'est ça. J'ai les zones corrompues maintenant. J'ai. Alors, du coup, au niveau des quêtes, donc ça, c'est les zones corrompues, ok. Et celle-là... Ouais, c'est celle qui est là-haut. J'irais bien faire celle là-haut. Activer quête. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? En annexe, j'ai la vengeance d'une fille. Elle est où, celle-là? Ah, il faut que j'aille parler à Soleil. On va aller là, lui parler aussi, comme ça, ça me débloquera le reste de la quête. Mince, c'est où? Parler à Soleil. Elle est où? Elle est là-haut. Et c'est laquelle d'armure qu'il a acheté, Oran? Je me souviens même plus. Je crois que c'en est une légère... qui permet d'avoir plus d'agilité. Niveau armure, j'ai celle-là. Donc ça, c'est celle de base. Ça, c'est celle de Brave Nora. C'est celle que nous a offert Teb. Et là, j'ai pris la guetteuse Nora, ce qui fait que j'ai le camouflage. Et j'ai rajouté une modification de camouflage en plus. J'ai la pionnière Banuk avec full contre le feu. Ce qui fait que ça va être pour le creuser. Celle-là, elle est classe, je trouve. Et après, j'ai la soldat tempête Karja, celle-là aussi elle est pas mal, en rose. Celle-là qui arrête les lames et les flèches, donc elle est plus résistante au niveau de combat contre humains, quoi. Je me souviens plus du tout de laquelle il a. Après, je l'ai peut-être pas encore acheté, hein, tu me diras. Bon, allez, on va parler à Soleil, comme ça, ça va débloquer une nouvelle quête. Tu es Soleil? Yann m'a dit que ta nièce était peut-être venue. Nakoa. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Je veux vous aider. Je suis une chercheuse, je vais au nord. Yann m'a demandé de la retrouver. Ce que tu diras restera entre nous. Je lui ai donné des vivres pour son voyage. Elle allait au rempart vers le nord pour chercher Zaïd. Je n'ai pas réussi à l'en dissuader. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur le rempart? C'est une forteresse Karja, à la frontière.
C'est là que ces barbares parquaient les prisonniers Nora, avant de les envoyer et de les sacrifier à Meridian. J'ai voulu empêcher Nakua d'y aller. Trop dangereux pour une Nora seule. Mais elle était décidée. Elle ne vit que pour retrouver ce Zaïd. Et qui est Zaïd ? C'est une bête enragée, un assassin. Le pire chef des Raids Rouges. Il a abattu mon frère sous les yeux de Nakua caché dans l'ombre. Je l'ai supplié de ne pas y aller. Mais une partie de moi la soutient. Moi aussi, je souhaite la mort de Zaïd. Tu ne peux pas t'imaginer ma souffrance. Il a mutilé mon frère. Mais il est toujours libre de ses faits et gestes. Si, je comprends. Plus que tu ne le crois. Je chercherai Nakua quand je serai au rempart. Je ne sais pas si tu pourras entrer. On m'a dit qu'ils avaient fermé les portes à cause de la corruption qui ronge les machines. Maria pourra peut-être t'aider. Mais ne lui explique pas tes raisons. Compris. Je dirai. Ok. Bah, du coup, Maria, on est allé la voir juste avant, donc c'est pas mal. Et du coup, ça c'est où ? Ah ouais, c'est assez loin quand même. Pourquoi j'ai pas la carte ? Ah, ça y est. Ouais, c'est assez loin. Du coup, ça, on y fera en même temps qu'on fera les zones corrompues, donc après. Du coup, ça, c'est une zone de chasse. Je l'ai pas faite encore. Parce que c'était un peu relou à faire, quand même. Trouver les braves disparus à la soif du démon. J'ai pas fait ça. C'est lequel ? Ah, c'est le sanctuaire. Ah ouais, d'accord. Et partie de chasse, réussir 3 épreuves. Donc ouais, ça j'ai pas fait. Bah on peut peut-être aller se faire ça, tiens. Comme ça on ira se faire lui en même temps. Comme ça j'aurai tous les feux de camp d'ici. Eh, il y a une zone corrompue ici aussi, tiens. J'avais jamais fait gaffe. Je m'en souvenais plus. Ok. Et ben... Du coup, ouais, je pense qu'on va aller se faire donc celle-là. D'abord, et puis après on ira se faire celle-là. Et après, bah soit on fera le creuset, soit on ira faire les zones corrompues. Au choix. Mais déjà, on va aller se faire celle là-bas. Je vais me déplacer là, et comme ça, je vais débloquer ce feu de camp-là, et on ira ici. R2. D'ailleurs, avec toutes les viandes que j'ai et tout, je vais peut-être pouvoir me refaire des potions aussi. Parce que ça, pour le creuset, j'en aurai besoin. Et du coup, il a réussi, Oran, le creuset. J'ai pas pu regarder jusqu'à la fin. Moi, je suis arrivé sur la fin et il me semble que, ouais, il y était arrivé. Parce que ça, je veux voir. Du coup, je finirai de regarder la rediff, mais... J'ai pas encore eu le temps. Et vu que j'ai livé toute la journée aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Alors, c'est par là. Mais il faut que je descende. On va descendre par là-bas. J'ai déjà regardé si je peux me faire des potions. Non, artisanat. Potions. Ouais, je vais en faire une comme ça. Et je vais en faire des comme ça aussi. Oh, je peux en faire que deux. Et ça aussi. Bon, il faudra qu'on aille farmer du petit animaux quand même. Tiens, en parlant du loup. Il y en a un par là. Oh merde, il est passé où? Il y a du galopeur ici. Il y a un sanglier aussi ici. Viens par là, viens par là, viens par là, petit. La machine m'a vu. Mais non, tu m'as pas vu. Allez, fais dodo. C'est bien. Il y a un sanglier qui se balade là-bas aussi. Tant qu'à faire, hein, on va en récupérer sur le passage. Et après, on prendra un galopeur, oui. En plus, j'en ai pas ici.
faut que j'en reprenne un. Ah, je crois que j'avais une plante médicinale là-bas aussi. Non. Voilà, comme ça on est full. Ah, c'est la girafe que j'entends. Enfin, la girafe. Faut le dire vite. L'espèce de truc à tête plate. Le long cou. Hop, comme ça on a le feu de camp. Ça, c'est cool. Allez, viens par là, petit. Ça sent la grosse bébête, ça, non? Ah oh, coucou, Halls. Une Halls. Coucou. What the fuck? J'en ai jamais vu des trucs comme ça, ici. Des crashers boursouflés. Ah, ceux-là, je sais pas si tu les as déjà affrontés. Ils sont plutôt à tendance violente. Ouais. Ouais, je sais, je me fais repérer par les dadas et je vais quand même chasser le sanglier, tout va bien. Non, tu m'as pas vu, petit, tu m'as pas vu. Je crois pas, y'a Wolf qui demande s'il y a de la coop sur ce jeu. Non, malheureusement, y'en a pas. Tu fais dodo. Non, on peut jouer qu'en solo sur celui-là. Non mais Halls, t'inquiète, si tu veux de la coop, on va faire Pixar qu'on a dit. Normalement, d'ici fin du mois prochain, on devrait pouvoir avoir le serveur. Purée, mais ils sont énormes, j'avais oublié ça. C'est vrai qu'ils sont vraiment énormes, quoi. C'est pas vrai. Je vais pas... Ah, bah si, tu pourras te l'acheter, hein. Mais oui, eux, je les avais... Bah ouais, désolé. Ah, l'autre. Bon, bah, j'irai sur Far Cry 5. Bah ouais, hein. Sorry. Et ouais, c'est les mêmes que Oran a affronté l'autre jour. Ouais, ils sont pas gentils, eux. Hein. Ils sont un peu relous. Ouais. Puis je crois qu'il faut être niveau 18 pour les avoir, parce que quand tu regardes avec la... Où est-ce qu'il y en a un? Là, il y en a un. Quand tu regardes en haut à gauche, c'est marqué 18. Et c'est ceux-là que tu combats dans le... C'en est un comme ça que tu combats dans le creuset, je crois. Sauf qu'il est en mode plus, quoi. Oui, bah, comme d'hab, quoi. Sinon, ce serait pas drôle. Comme d'hab, ouais. Bref. Comment il essaye de profiter, quoi. Non, c'est moi par contre, vrai. Je la veux bien. Ah, je croyais que tu parlais de moi, c'est Doka hein, qui. Oui, Doka. Pourquoi toi? J'ai compris Mine. Non. Je parlais de Doka, je vais pas parler de toi. Vous ne le voyez pas. Après, si pour Pixar, qu'il y a moyen. Ah, soit tu te débrouilles. Hein. Eh mais il y a des bestioles partout ici, c'est quoi ce Beans? On va faire le tour par derrière. Hein. Si je peux. Ouais, si ça a l'air de passer par là. Mais il y a de la machine partout ici. C'est affolant. Puis bon, je veux pas dire Doka, mais pourquoi elle aurait une clé en plus? Ouais, c'est vrai ça. Je dis ça, je dis rien, hein, après. Non, tu m'as pas vu. Y a personne ici. Ah, je vais devoir couper le vocal parce qu'il y a ma soeur qui est rentrée du coup. Tchou. Ok. Plus. Mètres et après c'est par là-bas, ok. Ah, il y a des gens. Bonjour les gens. Ah non, c'est des statues en plus.
C'est pas des gens, c'est des statues. Ça, on l'avait compris, Doka. Et c'est pas une raison pour avoir des clés gratuites. Pour ça, tu deviens youtubeur et peut-être que t'auras... Peut-être que tu auras des jeux gratos un jour ou des pop pour ton anniversaire, tu vois. Ok. Et du coup, suivre les traces. Ok, du coup, tac, afficher la piste. Par où ça part? Tac, 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 par là. Ok, très bien. Pour le moment, il n'y a personne. Petit lapin. Lapinou. Allez, viens là, viens là, viens là. Hop là. Ok. Dindon. Dante-ci à droite aussi. Non mais, please. Non, non, tu m'as pas vu. Les gars, vous m'avez pas vu, ok? Et ça recommence. On se calme. Non, 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 je ne suis pas là. Vous ne me voyez pas, je suis... Vous voyez le rouge dans les fleurs rouges? Ce n'est pas ma chevelure. Non, 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 non. Oh, purée. Bon, bah, va falloir qu'on se fight, hein. Alors, par contre, on va prendre les flèches de feu. Aïe. Mais. Petit, petit. Et bim le... Allez! Je l'avais eu là. Pourquoi je suis aveuglée là? Par contre, ouais non. Eux, ils m'ont pas repéré. Hein. Ah, il y en a un là. Bon, c'est bon, on n'est pas obligé de les tuer à fond. Ils m'ont déjà oublié. C'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, toi, tu vas mourir. Et toi, tu m'as pas vu. C'est bon, il m'a déjà oublié. Ah bah non, il m'a pas oublié. Il est toujours là. Viens par là, viens par là. On peut les pirater, là ? Je croyais qu'on pouvait pas. Je pensais que c'était que... Il n'y avait que les chevaux qu'on pouvait pirater pour le moment. Ok, eux là-bas, ils sont loin, ils m'ont déjà oublié. Parfait. Non, mais ça me va. Et j'ai eu ma dinde. Non, mais... Allez, Dante-ci, me cherche là-bas, quoi. Non, mais continue de me chercher là-bas. Moi, ça me va. Ok. Et c'est où qu'il faut que j'aille? Je suis dedans. Ah, il faut que je tue les Dante-ci. D'accord, donc en fait, ok, c'est la quête, quoi. Alors, où qu'ils sont? Ok, il y en a un là. Afficher la piste. Et un là. Bon, on va s'occuper d'un à la fois, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et puis, on va y aller en mode... Ah, mais ils sont que à l'intérieur, quoi.
Tu m'as pas vu. Par contre, je pourrais me glisser à l'intérieur. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, ils sont vachement les uns à côté des autres quand même. Non, tu m'as pas vu. Ouais, je suis comme ça, moi j'y vais au corps à corps. Aïe. Mais allez, c'est bon, tu vas mourir, toi, là. Toi, t'es mort. Voilà, un de moins. Ah, mais... Est-ce que je pourrais pas... Ah, purée. Mets-moi ça. Non. J'aimerais bien arriver à m'éloigner assez loin pour arriver non à lui tendre un piège. Tu m'as loupé. J'y vois rien. Non, on parle que je suis coincée là. Ah, ça y est. Oh, mais purée. Par contre, si je me soigne pas, je vais mourir. Oh, il va falloir que je reforme des ressources pour arriver à... Non, mais pour aller au creuset après. Alors, attends, on va faire autrement. Mais non! Mais tu te calmes. T'as encore à corps tout à l'heure, j'y arrivais très bien et là j'y arrive plus. Mais non, pourquoi t'as activé ça? Et qui les con? Allez, couchez Minou, couchez. Tu fais dodo. Allez, dodo. Dodo, merci. Pfiouh. Bon bah j'ai plus de santé quoi. C'est cool. Non mais c'est cool. Alors il est où l'autre minou là que je le vide. Hey coucou Mila. Taco arrive à tenir un de mes lives. Non. C'est fou quand même. Oh, un gars. En même temps, tu me diras si tu fais rien d'autre, ça doit passer. Surtout que maintenant, on peut choisir la qualité sur Twitch. Parce que je suis passée affiliée, et ouais. Du coup, tu peux regarder en petite qualité. Tu diras à personne que tu nous as vu ici, hein. Vu qui? Pas ton ami, en tout cas. Besoin d'aide pour descendre? On va se débrouiller. C'est pas pour te vexer, mais ce serait mieux qu'on ne voit pas avec toi. Les gens pourraient comprendre. Ouais, ok, d'accord. Non, mais sympa, hein. Ah, fait plaisir. Je veux pas qu'on me voit avec moi. Bah, écoute. Oh, il y a un truc à analyser, là. Premier amendement dans le monde virtuel. D'accord. Par contre, il était où l'autre Dancy, là, que je le...
Ça, normalement, c'est bon, j'ai examiné. Mais j'avais bien tué deux dentiers. Il est où l'autre? J'aimerais bien le trouver quand même. Et puis il va falloir qu'on referme des fleurs pour la santé là. Oh, c'est nul, j'étais à 3 barres pleines quoi. C'était trop bien. Ça c'est plein. Bon bah je les trouverai pas je crois. Tant pis. Bon bah on va continuer. Du coup faut qu'on retourne voir Den. Et Den il est là-haut. Et bon on va y aller comme ça. Hop. T'es en 4G, bah ouais, je me doute. J'ai encore beaucoup de décalage. Ouais, je me doute. Zaka aussi, il a pas mal de décalage avec Twitch, alors que Ryulf, il en avait quasiment pas. Mine, je crois que t'en as quasiment pas non plus. Ouais, c'est trop cool, ouais. Trop cool ou top, soit t'as mis une lettre de trop, soit soit t'as oublié un mot, mais Duke ou qu'il est Den? Den. Bah, elle est où la quête? Ah, ça y est. Je le voyais pas. Ah oui, parce qu'on ne voyait pas en haut. Ok, d'accord. Il est là-haut. Retrouver tes amis à l'endroit indiqué. Ils te rejoindront bientôt. Oh, merci. Merci. Quel soulagement. Tu ne diras rien à personne. Hein? T'inquiète pas. Les matriarches sont en train de chanter l'hymne de rédemption. Vous ne risquez rien. Tu as raison. L'hymne. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, bah ça c'est fait. Et rejoindre les échos rouges. Bon, de toute façon, après les deux sont là-haut. Il n'y a pas la quête des Nora aussi là-haut? Attends. Principale, une chercheuse aux portes ou la vengeance de Nora? Ah bah si, c'est ça. Donc c'est ça. Et ça, c'était où? Ah oui, c'est tout là-bas. Bon, bah du coup, on va aller se faire celle là-bas. Hein. Celle là-haut. Et ça, c'était quoi? On sait pas encore. Allez, c'est une nouvelle zone à découvrir. Bah on va aller se prendre un galopeur et puis on va aller jusqu'à là-haut. Site de galopeur. C'est parti. Comme ça, Mine, tu verras que j'ai pas oublié comment on fait. Hein. Oula, j'ai peut-être été un peu... imprudente. C'est pas grave. Ça passe. J'ai pas perdu de vie. Il faut qu'on récolte des fleurs pour la santé aussi. Oh, oh, oh. On fait un peu de canyoning. Ok, il y a les galopeurs juste là. Tac tac. Ah, fleur rouge, je prends. Ça c'est de la vie. Ça c'est pas de la vie mais. Ouais, ça viendra. T'inquiète pas. Alors, du coup. Non, tu m'as pas vu toi. Viens par là, mon petit. Et il me faut ces fleurs-là. Allez, ouf, on est parti. Et du coup, ensuite, on monte jusqu'à là-haut. Allez, on court. On s'en fiche des autres. Par contre, si je vois des fleurs... attends. Ralenti. Est-ce que je l'avais...
Non, non, vous m'avez pas vu. Oh, mais non. Bah si, en fait, il m'a vu, mais c'est pas grave. On fonce. Par contre, je veux récupérer ces fleurs-là, moi. Ah, on peut les ramasser en cheval. Oh, trop bien. Ah, ça, c'est cool, par contre. Je me rappelle plus qu'on pouvait les ramasser en cours de... en cheval. C'est cool. Elle va un peu plus vite. Par contre, je les vois pas directement. Je les vois à retardement, du coup, c'est un peu relou. À cheval. Bah ouais. Ils sont trop bien, ces chevaux, en plus. Là-bas, il y a un veilleur. Bon, c'est pas grave, on va foncer. Pas en cheval. Ah oui. Ouais, bon, ça va, hein. On n'est pas en cours de français aujourd'hui. C'est bon, ça passe. Allez, cours. Ah mince, je croyais qu'il y avait une plante là, mais non. Tiens, il y a un veilleur dans l'eau là-bas. Non mais pourquoi pas, hein. Compte, oula. Le dent de scie, non, je suis pas trop fan. On va... J'allais dire on va passer par le côté, mais non, c'est un peu de la montagne. La grosse montagne, quoi. Comment qu'on passe? Non, parce que là, ils vont me repérer, c'est obligé. Je suis obligée de passer par là. Ouais, et puis ils font bien le tour de du chemin, quoi. Ouais, j'avoue, faut bien que tu m'embêtes. Peut-être en longeant bien à droite, quand l'autre, il est sur la gauche, là, ça peut passer. Il fallait que... Ah non, c'est bon, c'est là. Ouhou, on a pu les contourner. Comment on les a grugés, là. Ok, du coup, feu de camp. Oui, encore. Chef Sona, nos hommes ont trouvé des camps ennemis dans les ruines, sur le chemin menant à l'anneau de métal. Alors on doit s'occuper de ces camps en premier, pour qu'ils ne sonnent pas l'alerte. Très bien. On vide les camps, et nos ennemis dans l'anneau de métal ne verront rien venir. Je vais désactiver les alarmes. Ah, c'est là qu'il y avait les premiers boursoufleurs à tuer, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'il y a les premiers boursoufleurs à tuer, et ils sont bien galères à tuer. Alors déjà, on va aller à celui-là. Ah, il y a tous ces feux de camp là que j'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Du coup. Par ici. Ça passe. Ok, là il y a le... Beaucoup d'équipes pour te soigner. Ouais, ouais, je sais. Je file, bisous, bon live. Ok, bisous Mila. Bah après j'ai pas mal de petites potions. J'en ai le maximum, quoi, j'en ai 6.
Et je suis à 2 barres de vie supplémentaires. Ça devrait aller. Je vais aller me faire le petit dindon là-bas. Et le renard. Oh, quoique. On va laisser tranquille le renard. Par contre, ça, je veux. Ça, je veux aussi. Ça, surtout. Ça, et puis on va se refaire des flèches au maximum. Ça aussi. Et tout le reste, c'est bon. C'est cool, il y a plein de plantes médicinales ici. Hop. Il y a un renard là-bas. Je vais me le faire. On va faire la petit. Mais ouais, je sais qu'il faut pas mal de santé quand même. Surtout pour les boursoufleurs, pour le creuser, tout ça. Enfin, là, je commence à rentrer dans les quêtes qui me demandent pas mal de santé quand même. Par contre, je serais bien d'avis de changer de tenue. Et de mettre celle-là. Parce que là, ça va être contre des humains. Quoique, la camouflage, c'est pas mal aussi, hein. Non mais je vais mettre celle-là pour le moment. Alors du coup le premier il est par là. Brave Nora. Il n'y a que des braves Nora. Ah par contre les méchants ils sont là. Alors toi on te scanne. C'est quoi ça là-haut? Alarme du camp, ok. Ça, il faudra la désactiver assez rapidement. Putain, je l'avais pas vu, lui. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, j'ai dit. Oh, purée. Allez, toi, tu meurs. Ah, par contre, j'ai fait activer le truc, quoi. Allez, hop, toi, tu meurs aussi. Ah, par contre, je me mange la corruption, là. Ah, ça, c'est embêtant. Mais non, mais pourquoi vous êtes allé attaquer tout de suite, quoi? Bon, bah, puisqu'il faut... Bah, allez, on attaque. Toi, tu vas mourir aussi. Non, mais toi, tu meurs. Voilà, et toi aussi. Pourquoi je vois rien? Non mais toi tu vas mourir. Déjà, voilà. Non ça c'est pas des méchants. J'aurais pas pu le faire en discret, non? Il a fallu que j'aille me faire voir par les machines corrompues. Plus de munitions. Ils sont où les autres? Ok, il y en a un là. On va aller se le faire, hein. Je vais t'apprendre.
Ah bah, je crois qu'on a réussi. Bon, ça va, il était pas trop méchant, lui, encore. Ah, potion de santé, je suis à fond. On va fouiller un peu tout. Et ouais. Mais non, je crois que quand t'es caché, il te voit pas. Il me semble... On va prendre un peu de santé. Il n'y aurait pas des fleurs de santé là si... Ça va, je me débrouille pas trop mal à l'arc. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'aurais plus assez de quoi en refaire. Du coup, faut que je pense à récupérer un peu de ça. Bon, après, si, ça va, quand même. J'ai quand même de quoi faire. Avec toutes les machines que j'ai tuées. Ça devrait aller. Du coup, le deuxième... on va aller à celui-là d'abord. Allez, on va aller à celui de droite d'abord. C'est parti. Est-ce qu'il y a des trucs cachés là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. C'était quoi ça? Caisse de ravitaillement. Truand. Ah si, quand même, il y a des petits trucs. On va aller chercher les caisses de ravitaillement quand même. Toi aussi, on va te récupérer. Surtout pour des trucs comme ça, c'est pas négligeable. La machine aussi. Hop. Et je vais pouvoir aller m'acheter des meilleurs arcs du coup et des meilleures armures aussi pour le creuser peut-être. Ce sera pas plus mal. Alors, il reste toi. Moi qui aime voyager léger. Ah oui, non, toi je peux pas. Ok, bonsoir. Comment vas-tu, Starkey? Hop, ça c'est bon. Ok, ça c'est cool. Ça je peux rien faire. Ça c'est bon. Est-ce qu'il reste des trucs? J'ai pas l'impression. Et ça c'est quoi? Conteneur de flambée. Ah oui. Ok, bon bah, c'est bon, on peut aller à l'autre. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits trucs sur le chemin? Comment tu vas bien? C'est le plus important. Bah moi je vais très bien, merci. Ça va, je reprends horizon petit à petit. Bon, je l'ai pas mal rushé hein, pour en être à là déjà, mais... Je l'avoue. Alors ça, je suis full. Là, ça, je prends. Quoique la canne de rivage, je commence à en avoir pas mal. Ah non, c'était juste le... Y a pas de bébête. Que je me fasse pas ravoir comme tout à l'heure. Ouais, c'est par là-bas. On va essayer de lui courir après, lui. Je veux de la viande. Ah, trop loin. Oh oh. C'est quoi ces grosses machines-là? Oh non. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Non, 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 vous m'avez pas vu. Tu m'as pas vu. Voilà, tu m'as pas vu. Tu te couches. Je ne suis pas là. Ok, je crois qu'on est encore moins en plus. Il y a une zone corrompue. Là-bas, il y a les charognards. Ok, il y a toi là. Non mais non, vous m'avez pas vu les gars. Nope. On est dans une zone corrompue là ou comment ça se passe? Bah non pourtant. Ah c'est juste que c'est la zone où il y a tous les... Les trois zones à éliminer du coup. Ok d'accord. Non mais très bien. Hein. Oh c'est bon, elles sont parties les charognards là? Ouais c'est bon. On va pouvoir aller par là-bas. C'est quoi ça là-bas? Ah bah c'est les charognards du coup. C'est quoi vos chemins à vous?
Ouais, je pourrais aller là-bas. Ou là-bas. Plutôt là-bas. J'ai pas vraiment envie de me faire repérer. Sinon, au pire, on n'est pas obligé de les avoir, hein. Je crois. Quoique, elle, je pourrais me la faire. Sois-y. Je t'avoue qu'après plus de 3 heures de répétition et quelques heures de cours, je suis très bien devant un petit live. Tu m'étonnes. Et c'est quand tes vacances, toi, Starkey? Je vais me mettre par là et je vais attendre qu'ils reviennent. Comme ça, je vais me le faire. Quoique. Est-ce que je suis vraiment obligée? J'ai envie de dire, nope, on s'en tape, on avance, point barre. Nous, faut qu'on aille par là-bas. Donc, on va aller par là-bas. Et puis, c'est tout. Dans une semaine, est un oral de bac avant, ok. Genre, t'as encore une semaine de cours et après, t'es en vacances. Ok. Non, pourquoi ils m'ont vu, eux? Mais pourquoi ça peut pas se passer bien, comme d'hab, quoi? Ça peut pas se passer en mode camouflage, quoi, non? C'est pas possible. Ah, mais du coup, ils ont déjà commencé à attaquer et tout. Non, mais please, je suis même pas encore arrivée, les gars. Attendez-moi! Il y a toi, il y a toi. Ouais, je sais, vous faites un peu défoncer, mais les gars, fallait m'attendre. De toute façon, je crois que je vais pas avoir trop le choix. J'aime bien foutre le feu aux gens quand même. C'est assez rigolo. Mince. T'as de la chance, je t'ai loupé, toi. Mince, je tire dans les murs. Ouais, ça peut pas le faire. Mince, je sais plus viser. Ah, flûte. Non! Eh, je vais mourir! Mais non, je vais pas mourir. Allez, toi tu meurs. Allez, meurs! Voilà, ça c'est fait. Toi, tu meurs aussi. Voilà, 3 flèches, c'est bon. Toi, tu meurs aussi. Ah, j'ai plus de munitions. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de preuves après. Ils sont tout cramés de toute façon. Toi, tu vas mourir aussi. Allez, meurs. Ok, ça c'est fait. Toi, tu vas mourir aussi. Allez, meurs. Arrête de bouger. Mais si, restez des cibles faciles. Moi, ça me va. Ok, toi, t'es mort. Toi, tu vas mourir aussi. Toi, tu meurs aussi. Non, tu meurs, j'ai dit. Niveau 14. Où est-ce qu'il est?
T'es mort, toi. Ok, toi t'es mort et toi tu vas mourir aussi. Allez. Bon, la dernière zone, on va essayer de se la faire en mode furtif quand même. J'aimerais bien. Non mais please, le mec il s'accomplit quoi. Allez. Ok, il en reste. Ouais, il en reste un là. Allez, bim. Fais dodo. Ça y est, c'est fait. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il est possible que je récupère mon PC pour taffer ce week-end. Ok, cool. Clean, dans un mois, j'ai le droit d'acheter de l'alcool. Ouais, mais n'en abuse pas trop quand même. Hein. C'est pas bien. En fait, faudrait que je pense à prendre des potions plutôt que... que de me soigner avec les plantes médicinales, parce que les plantes médicinales je suis obligée de les farmer, alors que les potions je peux les retrouver sur des cadavres des fois. Ouais, voilà. Donc faut que je pense à prendre les potions de soins plutôt. Rappelez-le moi si jamais j'oublie. Y'a pas un truc à analyser ici là? C'est ça. Déjà là, il y a un point de sauvegarde. Là, il y a des débris antiques que je vais pouvoir revendre. Et là, il y a un truc. Yes, un point de données. Cool. Ok. Bon, du coup, il reste la dernière zone. J'espère que je vais pas me louper. Il me reste encore lui. Ça a demandé du travail et de la négociation, mais ça doit aller. Ouais, bah bon courage en tout cas. Donc ça, c'est fait. Et du coup, il reste plus que la zone là-bas. Celle-là, on va essayer de vraiment se la faire en mode... on va essayer d'y aller en mode tranquillou quand même. Par contre, ouais, il y a plein de trucs à récupérer là-dedans. On va les récupérer tout ça avant. Parce que celle-là, je me souviens que je les avais fait en mode infiltration quand même. Hein. Donc ouais, je suis... je sais pas pourquoi... En fait, je me fais repérer trop facilement, quoi. Pourtant, j'ai l'armure spéciale. Ah non, ils m'ont changé d'armure. Ah ouais, non. Bah non, c'est... Oui, non, c'est moi qui ai changé d'armure, en plus, je suis con. Hop. Par contre, il faudra que je fasse gaffe, c'est pour les autres zones, un peu comme ça. Je me souviens d'une, ils avaient... quand ils avaient besoin d'appeler du renfort, ils appelaient des espèces d'oiseaux... ça c'était après Méridion je crois. Ils appelaient les espèces d'oiseaux. Ceux-là ils sont super relous à tuer. Mince. Allez, viens par là. Je vois des machines corrompues là-bas. Mais nous on va aller par là. Sans bloc. Ok, bah bon concert à toi Starkey, bisous. Merci d'être passé. Hop. Alors. Est-ce que niveau artisanat... Ouais, je peux m'en refaire. Et il manque des viandes grasses. Ok. Non, mais très bien. C'est toujours par là-bas. Alors là, on fait gaffe. Parce que là, on commence à voir les gens. Du coup, on va essayer de ne pas se faire repérer cette fois. Ok, il y a du monde.
J'entends des machines aussi, par contre. Ça, c'est un peu moins rassurant. Sacrée charognarde. Et c'est des charognardes corrompues en plus. Là, là, on va se baisser. Je voudrais pas me faire repérer. Allez, analyse-le, lui. Il y en a encore un là-bas. Ok. Et il y a l'alarme qui est là. Ça marche. Tu fais quoi comme chemin, toi? Ok, tu viens jusque là. On va se mettre là, du coup. Ok, c'est parti. Allez, reviens là, Coco. Que je te fasse la peau. Un de moins. Ça, c'est fait. Ensuite, c'est bon, on va se faire celui qui est là, je pense. Ouais, il est juste là. Comment je pourrais y aller en mode discretos? Parce que là, à tous les coups, il va me repérer. Je vais mettre dans ce buisson-là, histoire de mieux analyser la scène. Ok, alors du coup... Ça, je sais plus comment on fait. Technologique, data basique, ok. Ah, là-bas, il y a un... Je peux me cacher dans les buissons. Du coup, on va passer par derrière, là. Ici. Toi, tu vas pas me voir. Voilà, tu m'as pas vu, n'est-ce pas? Est-ce que t'as une piste, toi? Ouais, tu peux te barrer. Ok, très bien. Du coup, là, il n'y a que toi. Et puis, il y en a un là-bas, mais lui, il va se barrer aussi. Parfait. Du coup, toi, je peux venir te niquer la tronche. Te tuer, je veux dire. J'ai pas dit de gros mots, c'est faux. Ah, mince. Bon, bah, je me suis fait repérer, je crois. Ah, plus de munitions. Non, toi tu meurs. Ok, toi t'es mort. Toi t'es mort. Où sont les autres? Mais allez! Bim! Vous êtes mort. Après, c'est quoi là-bas? Des machines? Ok, toi t'es mort aussi. Ouais, c'est des machines ça là-bas. C'est un petit peu moins cool. Bim! Toi t'es mort. Toi t'es mort. Ouais, je suis très corps à corps aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Allez, meurs. Ok. Bon, bah, je crois que c'est bon, on a réussi, hein. Non? Mince. Ah, si, là-bas, il y a une machine. Allez, meurs. Meurs, la machine. Ok, ça, c'est fait. Ah, je suis trop loin. Je l'ai eu. Allez. C'est fait. Voilà, je crois qu'il y en a plus cette fois. Je l'accueille.
On va aller chercher tout ce qu'il y a là-bas. Et puis ben, on a fini. Hein. Du coup, il faut qu'on rejoigne la plus haute tour. Ok. Pas de soucis. À 250 mètres. C'était pas genre au truc d'avant? On va prendre une potion. J'ai moins de skills qu'avant quand même, parce que avant j'arrivais à le faire tout en discretos, et là j'ai pas réussi. On faut dire que je suis allée un petit peu en mode bourrin quand même. Ah, là il y a un truc. Oh, il est déjà 7h30. C'est fou comme le temps passe vite sur les jeux sur lesquels on s'éclate. Ok. Est-ce qu'il y aurait pas des trucs cachés? Conteneur de flambée, ça là-bas c'est quoi? Caisse de ravitaillement, là-haut. Des truands. Il n'y avait pas des trucs un peu cachés, un peu... Ah non, peut-être pas. Ok, assis là. Une caisse encore. Ouais, ouais, ça passe vite, hein. C'est fou. En même temps, ce jeu, il est tellement bien. Tu vois pas le temps passer quand tu y joues. Ça sert plus à rien, mais au moins elle est détruite. Normalement, j'ai tout récupéré. Il manque un gars ici. Hop, un gars. Ah non, lui c'est la potion, je peux pas la récupérer. Caisse de ravitaillement. Mais ouais, c'est ça, le jeu il est tellement prenant que. C'est fou. On va passer par là, histoire de prendre le point de sauvegarde. Comme ça, si on a besoin de revenir dans la zone, on pourra. On va faire gaffe qu'il n'y ait pas de bestioles. Quand même. Puis je vais chasser du dindon au passage. Ça, il va m'en falloir. Ah, attends, il y a une plante là. Viens par là, petit dindon. Pas d'autres bestioles, hein. Non, ça a l'air d'être bon. Ah ouais, mais là, il y a les gardes. Donc, on va y aller mollo. Toi, t'es un bandit. Et pourquoi lui, il veut pas? Il est devant un conteneur de flambée, du coup, je peux pas l'analyser, quoi. Ou alors c'est mon réticule qui a merdé? Ouais, je crois qu'il a bugué un peu. Ok, du coup, lui, c'est bon, on l'a eu, on va aller sauvegarder. Des fois que... C'est moi ou il y avait un dindon juste à côté de moi? Bon, j'ai dû rêver. Ok. Mais non, je te veux toi. Par contre, ouais, non, il y a un conteneur de flambée juste devant, j'arrive pas à... Toi, je te veux. Eh, mais ils sont combien là-dedans? Ah, mais c'est là, je crois qu'il y a les gros méchants. Du coup, nous, c'était là-bas qu'il fallait qu'on aille. Du coup, je suis où, là? Ouais, je sais pas. Pourtant, il n'y a aucune quête, rien à faire ici. C'est bizarre.
Ah, il y a un truc à vérifier là. Doka, t'es toujours par là? Si t'es toujours par là, t'as trouvé tous les trucs à découvrir, genre les points de données là, comme celui que je viens d'analyser là? Parce que ça, il y en a pas mal à trouver quand même. Ok, faut que j'aille là-haut. Et ben, on va se tuer le lapinou qui est là. Et ouais, désolé pour le lapinou. Mais non, viens là. Lapinou. Voilà. Ça apaisera ma faim. Hop, comme ça je peux récupérer ça. Ok. Alors, du coup, on va là-bas. Et on parle à Sona. Coucou. Hey, coucou. Alors, à ce qui paraît, tu m'as posé une question. Oui. Je disais, est-ce que t'as fait tous les points de données qu'il y avait à trouver là? Oui, parce qu'il y en a pas mal à trouver quand même. Il doit m'en manquer, ouais. Et vu qu'ils se trouvent un peu aléatoirement sur la map, pour les trouver, ça va être comique. Mais t'as pas un indice ou un truc normalement? Ben non, je crois pas. Hein. Parce que là, enfin, ils sont pas indiqués sur la carte en tout cas. Après, t'as peut-être des débloqueurs, enfin, t'as peut-être des trucs qui te permettent de les débloquer au bout d'un moment, mais. Faudra que je regarde. Il me semble que t'as une carte. Ah, peut-être. T'as pas encore atteint la capitale Karja? Non, je crois pas. Je suis allée jusqu'à Méridien, moi, à mon ancienne partie. Normalement, quand tu arrives à la capitale Karja, t'as des marchands spéciaux et je crois qu'il y en a un qui peut te donner une carte pour t'indiquer les emplacements. Mais okay. Je suis pas sûr. Ça marche. Je crois que le seul truc que tu n'as pas les emplacements, c'est les mannequins d'entraînement. Il me semble. Le Carthage? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le Ryouf? Il t'a pas écouté, lui, là. Non, en fait, j'ai pas pu t'écouter parce que mon PC avait décidé d'arrêter de diffuser ton... Ah oui, d'accord. Il s'est dit, tiens, j'en ai marre. C'est Céléron, j'y peux rien, c'est Céléron. Ah bah oui, mais échange... J'y ai pas sous. Faut que je paye des jeux de choses à ta sœur. Oui, mais bon, c'est bon... Tu pourras lui en payer plus tard. C'est vrai. C'est pas faux. Non, je rigole. T'as bien raison de la faire passer avant. Et du coup, qu'est-ce que tu disais, Ryulf, par Carthage, je sais pas quoi? Qu'est-ce que tu me parles de Carthage? Ah ouais, là, c'était la super quête. Attends. Il y avait un lapinou. Lapinou. Non, du coup, je te laisse. Gros bisous. Ok, bisous. À toutes. Si t'as d'autres questions, envoie-moi un MP, je viendrai te répondre. Bah non, je vais pas aller sur Discord en plein live pour t'envoyer un MP, tout ça. Bon, eh ben, très bien, je vais venir sur ton live. C'était bon, t'as gagné. Oh là 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 là. Ah bah attends, RE Ben. Bon, allez, bisous. Bisous. Hop là. Alors, on va déjà analyser tout le monde. Alors, toi. Ce nom est pour toi. Attends, je suis pas prête. J'analyse tout le monde avant. Tout au calme. Tu m'attends. Parce que bon, là, il y a du monde. Hein. Faut pas y aller à la va-vite. Hein. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est là qu'il y a les premiers gros monstres, là. C'est là qu'il y a les premiers cracheurs de feu, je crois. Bon, ceux-là, on va se les faire assez facilement, mais... Ok, donc là j'ai tout le monde. J'espère qu'il va pas me les désactiver après les notifs. Ouais, j'arrive. Donc il m'a dit celui de gauche. Ou celui de droite.
Il est déjà parti? Attaque du dessus. Ok, c'est bon. Je m'occupe de celui de gauche. Mon cas, celui de gauche. Ok, ça c'est fait. Par contre, Varl, s'il te plaît. Bon, du coup, je me le suis fait, hein. Parce que si on attend après Varl... Ouais, ça fait un peu beaucoup d'ennemis, mais bon, après, on est deux. Ça va le faire. Non, ça, j'ai plus de place. Moi, je veux le fanatique. Ok. Alors, où qu'il est passé ? Il est passé où ? Bah, je veux bien, mais t'es où ? T'es passé là, mais t'es passé comment, là ? Par là. Eh ben oui. Il a dit qu'il prenait celui de gauche ? Ou je prends celui de gauche ? Je prends celui de gauche, je crois. Ok. Bon, là, déjà, on vient de s'en faire 6 à nous deux, en 2-2, et sans avertir qui que ce soit. Donc, ça va. Alors. À l'œil, tu vois ces corrupteurs. Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées. Toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler les murs. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Non, j'ai pas fini de rattraper mon retard, mais du coup, tout le monde m'a dit « Mais vas-y, fais-le en live, fais-le en live. » Du coup, j'ai cédé et voilà. J'ai tellement envie de jouer à ce jeu que voilà. Du coup, j'ai annoncé la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après, vu qu'on est en vacances. Enfin, la plupart sont en vacances. Peut-être pour les 3 prochaines semaines, du coup. Il y aura live le matin. Mince. Oui, attends, je me cache. Voilà, il y a personne. Personne me voit. Ok, c'est bon. Du coup, je disais, pour la semaine, peut-être pour les 3 prochaines semaines. Alors, peut-être pas les 3 prochaines semaines, tout pareil, hein, mais en tout cas, la semaine prochaine, il y aura des lives le matin de 10h à midi sur Modern Skyblock 3. De toute façon, je remettrai les plannings. Hein. Je ferai peut-être un planning spécial live aussi, parce qu'il va y en avoir pas mal pour les vacances. Et du coup, live le matin de 10h à midi sur Modern Skyblock 3. Après, il y aura du 14h-16h sur du Horizon. Et du 18h-20h sur Assassin's Creed. Voilà. Et Assassin's Creed, ce sera bah, comme là, le lundi, mercredi et vendredi. Et les autres, tous les jours, je pense. Donc oui, il y aura un petit peu moins d'Assassin's Creed, mais bon, c'est pas grave. Ok, toi. Je t'ai repéré. Bon, du coup, toi, je dois pouvoir te tuer. Quoique c'est du dessus. Peut-être faire gaffe quand même. Jusqu'où tu vas, toi ? Qui était au-dessus ? Ok, toi, tu m'as pas vu. Il est gros lui, hein. Il fait flipper un peu. Hein. Ok, sac de soins plein. Il fouine encore. Ok, c'est celui d'au-dessus qui cherche. Ouais, non, tu me verras pas. Je vais peut-être venir te chercher par là. Voilà, tu m'as pas vu.
Pourquoi ils sont tous en train de chercher? Je comprends pas. Je vais aller me cacher là-bas. Oh non! Ils m'ont repéré! Oh non! Je vais mourir. Je crois que je vais me laisser mourir, autant ce sera plus simple. Parce que là, les animaux. Oh là 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 là. Alors, où est-ce qu'il y a de la flambée? Ah, par ici. Déjà, toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir aussi. Avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à survivre, en fait. Aïe aïe aïe, j'ai peut-être parlé trop vite. Peut-être parler un peu vite. Ok, ils m'ont pu repérer là. Ils me voient plus. Ils m'ont perdu. Allez, cassez-vous. Oh purée. Ils m'ont vu. Aïe 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 aïe. Non. Oh mince. Et Coco Lovenpet, t'arrives pile pour une mort quoi. Je me souvenais plus de l'emploi. De l'armure qu'elle porte. Parce que j'ai pas la même armure que celle que je devais avoir avant, surtout, certainement. Ah, tu t'en vas, Ben ? Si tu restes silencieuse, ce sera bien plus simple. Oui, on va rester silencieuse, hein. On va éviter de se faire repérer. Du coup, toi, on te tue. Et ensuite, je remonte de là-haut. Là. Ensuite, on attend que lui se fasse repérer, tout ça, tout ça. On va reprendre un peu tout le monde aussi. Autant. Par contre, j'aimerais bien repérer combien de flambées. Donc lui, là-bas. Ah, il y en a, j'arrive pas à les scanner parce que il y a des contenants de flambées devant. C'est un peu relou. Toi, je t'ai. Toi, je t'ai. Et toi, je t'ai. Ok, il y a un contenant de flambées là. Est-ce que par hasard, je pourrais pas déjà prendre mes flèches comme ça, en refaire? Parce que là, il y a un contenant de flambée. On va éviter quand le croco il passe devant, par contre. Quoique. Non, vous m'avez pas vu. On va se faire oublier. On va se laisser oublier. Et puis, on va essayer de shooter l'autre. Qui est là-bas en face. On va d'abord laisser retomber la pression un peu quand même. Mais genre lui, il a pris aucun dégât, quoi. Quand même. Et il est niveau 23. Non, mais très bien, hein. Allez, oubliez-moi. Lui, le tuer. Ouais, mais ça se fera à la fin, quand tu auras moins de méchants, parce que là, je me fais défoncer la tronche. J'ai pas vraiment envie.
Allez, oubliez-moi. C'est bon, il n'y a personne. Lui, il m'a déjà oublié. Vous pouvez faire pareil. D'ailleurs, ça craint quoi, ces bêtes-là, là ? Bonbonne de flambée. Ah non, ça craint pas la... Ok. Ça craint pas le feu. Ouais, ok. Juste les flèches perforantes. Ok, du coup, là, plus personne m'a repéré. On va pouvoir mettre le feu à celle-là. Par contre, j'ai peur d'avoir un truc devant. Merde. Ça, c'est embêtant. Ok. Ça, c'est fait. Et il m'en manque encore. Du coup, ouais, il y en a un là-bas. Je crois qu'il y en a un là-bas aussi. Et un là-bas. Du coup, il va falloir que j'aille par là-bas, de toute façon. Dans tous les cas, il va falloir qu'on s'en approche. J'ai rien pour me cacher là-bas en face. Non. Ouais, mais non, là je peux pas te tuer toi tant que les autres ils sont encore en alerte. Mais je peux pas le tuer tout de suite là, Van Pets. Si j'essaye de le tuer là, je vais me faire défoncer. Je vais mourir en 2-2 et j'ai pas envie. Faut que je la réussisse quand même cette quête. T'inquiète pas, il y a des endroits, tu vas me voir mourir, genre quand on va faire le creuset, je pense lundi. Lundi, on va se faire le creuset, je vais pas arrêter de mourir. Je te le dis tout de suite. Ok, est-ce que, par hasard, toi, tu pourrais pas venir vers moi? Si, tu peux venir vers moi. Vas-y, viens vers moi. Mais non. Oh, mais non. Oh, bon bah. Moi qui voulais faire ça en mode discretos, bah même pas. Non, vous m'aurez pas. Ah oui, mais ici. Et voilà. Bon, par contre, il y a encore tout le monde à tuer. Et salut Askino. Bienvenue à toi. Bon, on a eu la flambée. Par contre, on a tout le monde à tuer maintenant. Bon, après, il y a les autres qui vont venir m'aider. Du coup, ça sera un peu plus simple. Mais on va quand même mourir. Aïe. Ok, toi, t'es mort. Où sont les autres? Ok. Toi t'es mort. Toi t'es un gentil. Toi t'es un gentil. Non, toi t'es un gentil. Par contre, il y a cette grosse bébête là à tuer. Ah waouh. Ça fait mal. Non, je suis morte. Faut viser les humains avant le mob. Ouais, j'ai bien compris. Et ouais, il est génial ce jeu. Mais en fait, tout ça, j'ai déjà fait en fait. J'étais arrivée même jusqu'à Méridian et tout. Mais le truc, c'était que c'était pas avec mon compte. Du coup, bah, j'ai dû tout refaire. J'étais un peu dégoûtée. Alors non, par contre, je voudrais les... Alors là, on peut faire pas mal de dégâts. Ah merde, c'est un gentil, lui. Mais eux... Ok, toi, t'es mort. Où est-ce qu'ils sont, les autres humains? Ah, il y a des humains. Les humains, vous allez mourir.
Ok, toi t'es mort. Ok, du coup maintenant... La machine là. Aïe, 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 aïe. Ok, toi t'es morte. Même pas. Mais genre... Ah, j'ai de la corruption en plus. Ouah, aïe, 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 aïe. Par contre, la corruption, c'est pas cool. Mince. Non, 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 tu m'as pas vu, toi. Par contre, on en parle que tous mes coéquipiers sont en train de mourir, là. Ouais, aïe, 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 aïe. Non, toi, tu meurs. Ouais, je vais mourir. J'ai plus de vie. Bon, bah voilà. Mais... Je sais que lui, j'avais bien galéré. Est-ce que je prendrais pas... Si, je vais changer d'armure aussi. Normalement, je peux changer d'armure. Allez! Inventaire, tenue. Et je vais prendre celle contre le feu. Ok. Ok, une machine de moins. Lui, il est mort. La grosse machine, tu attends. Je fais d'abord le ménage. Ça, c'est des gentils. Ok, par contre, je vais prendre une potion comme ça et une potion comme ça. Et puis on va se mettre avec les flèches de feu. Même si à mon avis ça lui fera rien. Aïe aïe aïe. Tu m'as pas eu. Hé hé, je te fais mal là. Hein. Allez. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Allez, cours, 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 cours. Où est-ce qu'il est? Allez. Viens là. Aïe. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Tu m'auras pas. Où est-ce qu'il est? Tu m'as pas eu. Ah, flûte. Allez, je l'ai eu. Oui. Aïe, par contre, je suis dans la corruption. Ça fait bobo. Qui c'est qui tire encore, là? Ah, mais il y en a encore plein, là-bas. Attendez. Non. On va prendre ça. Et puis, on va faire ça. Voilà, déjà, là, il n'y a plus personne. Où est-ce qu'il y en a encore? Là. Toi, tu meurs. Où est-ce qu'ils sont les autres? Allez, toi, tu meurs. Il en reste un là-bas. Ok, toi, t'es mort. C'est bon? Oui! Wouhou! C'est bon, on a eu. Ouais, mais c'est pas évident de viser quand même. Bon, on a réussi. Le volet aux oreilles de la déesse. Oui,
Eh, merci. Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans le corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. Ok. Bon, bah, y a plein de trucs à fouiller maintenant. Déjà, on va fouiller la grosse bébête. Et on a le niveau 15. Et je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Et du coup, lundi, on ira se faire le creuset. Je pense que je vais me crafter toutes les potions qu'il faut. Victorieuse avec la chef. Cool. Puis je vais peut-être aller vendre pas mal de choses aussi parce que je suis full. Et peut-être voir pour m'acheter des... soit des potions, plutôt que d'avoir à aller farmer de la viande. Soit... Oh cool, un pack de transport. Soit des potions, soit des armes ou des armures un peu mieux, je pense. Parce que là, pour le moment, j'ai que les trucs de base. Allez, on fouille. On fouille. Mais ouais, j'avais déjà bien galéré la première fois. Mais j'étais mort encore plus de fois que ça, mais j'étais beaucoup moins bien préparée. J'avais pas toutes les modifications et tout. Je savais plus comment... Je savais pas encore comment on faisait et tout. Parce que c'est pas expliqué au final. Parce que même... Ah, quoi que si, à un moment, c'est peut-être expliqué, mais... j'avais pas dû faire attention ou pas dû comprendre. Ou... Des fois, en live, vu que je regarde le chat, si ça se trouve, au moment où ça expliquait... J'étais en train de parler, du coup j'ai pas fait attention. Mais ouais, du coup là je connaissais pas les modifications et tout, du coup j'étais beaucoup moins bien préparée que là ce que j'étais. Donc j'arrêtais pas de mourir en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'était un peu relou d'ailleurs. Mais là on est bien. On a réussi, c'est cool. Du coup, c'est quoi qu'il faut qu'on aille faire après? Sécuriser les zones corrompues. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire ensuite, hein, je pense. On va aller jusqu'à ce feu de camp là. Par contre, je serais bien allé vendre des trucs. Du coup, on va se rapprocher. On va aller là après. Je vais juste aller faire le feu de camp. Ou alors, on se le fait à pied. Comme ça, on se fait celui-là, 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 celui-là. Et on redescend jusqu'au village. Et une fois que j'aurai vendu tous mes trucs, après, on se laissera. Et du coup, lundi, on fera... les zones corrompues. Et puis, on ira se faire le creuset, du coup. Je pense. Faire artisanat. Est-ce que... Piège, non, je crois pas que je puisse en refaire. Il me manque de la viande. Donc ça, on ira en acheter. Capacité de stockage. Ressources. Ouais, ça, je veux bien. Ouais, vas-y, encore. Parce que ça, ouais, après je peux plus. Lance-câble, ça c'est pas mal aussi. Ça peut servir. Hop, du coup on va aller jusqu'au petit feu de camp tranquillou. M'assurer quand même qu'il n'y ait pas de bestioles. Et puis on va farmer de la, du dindon et du sanglier et tout ça. Enfin, de la bébête, quoi. Au passage. Viens par là, toi. J'entends de la bébête, non ? De la méchante bébête. Ah non, peut-être pas. J'ai rêvé. Quoique le feu de camp, il est là. On va sauvegarder. Ce sera déjà fait. Alors, ensuite, on a dit qu'on allait se faire celui-là. Ah non, celui-là d'abord. Du coup, c'est sur la route. Par là. Là-bas, il y a de la bébête, par contre. Grand front. Oh, je les ai pas vus encore, eux. Enfin, pas dans ma nouvelle partie, en tout cas.
Par contre, ouais, ils ont pas l'air très très sympas. On va pas aller les voir. Non, non, non. Là, par contre, il y a un sanglier. Lui, on va aller le voir, par contre. Bim! Mais... qui... C'est qui combat, là? Mais arrêtez d'auger! Grand fond, grand fond... J'arrive pas à voir qui c'est le bonhomme au milieu. Je crois qu'ils l'ont eu, de toute façon. Bref, on s'en fiche. Nous, on va aller là-haut. Oh, il y avait une bestiole! Elle est passée où? Ah bah non, peut-être pas. J'ai dû rêver. Qui c'est ça là-bas? Ah, c'est une dinde. Putain, j'ai cru que c'était une personne assise. Viens par là, petit dindon. Hop là. Ok. Nous, faut qu'on aille par là. Et bah, du coup, on va se faire le raton laveur qui est là, tiens. Est-ce qu'en un simple coup, tu meurs? Oui. Cool. Lapinou! Ok, le feu de camp, il est là-haut. Ah, il y a des bébêtes là-haut. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un boursoufleur, ça? Pourquoi tu veux pas me les analyser? Ouais, mais c'est des crasheurs. C'est des crasheurs. Ah, les saligots. Mais pourquoi vous êtes là, vous? Vous pouvez pas vous mettre ailleurs, non? Et là-bas, c'est quoi? Ok. Des bébêtes sans importance. On va aller par là. On va contourner par la droite. Après, du moment que j'ai le feu de camp pas loin, je suis pas obligée d'aller l'activer. Du moment qu'il est... que je suis pas très loin, normalement, ça marche. Petit renard, viens là. Je mangerai ça plus tard. Ok, il y a les deux là-bas. Ok, c'est bon, on l'a eu. Du coup, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à lui. Du coup, il faut qu'on redescende un petit peu. Genre là. Et ben on va passer par la rivière, moi je dis. Ça me paraît être une bonne idée. J'ai pas vraiment envie de me faire repérer par eux là. Hop, tant pis, on va nager. Là, je devrais pouvoir remonter un peu, je pense. Ah non, je peux pas monter là. Tant pis. Ça doit bien passer par là. Bon, de toute façon, eux, je les ai passés, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres bestioles? Ça, c'est un feu de camp. Mais je l'ai déjà pris. Ok, on va pouvoir passer par là. Allez, le feu de camp. Voilà. En fait, c'est à partir de 50 blocs.
Enfin, 50 mètres. On n'est pas dans Minecraft, Clint. Tu te calmes. Là-bas, il y a des bestioles. Est-ce que c'est un problème ou pas? Non. Voilà. J'en suis à 50 animaux tués quand même. C'est pas mal. Il y a encore des boursoufleurs ici, là? Enfin, des crasheurs, là? J'ai vu une grosse bestiole. Ah ouais, encore des crasheurs. On est dans la zone des crasheurs, en fait, ici, quoi. C'est affolant. Du coup, on se fait celui-là. Et après, on prend un galopeur et on court jusqu'au... Ou non, je vais me TP directement au... Au feu du village. Comme ça, après, je vais faire toutes mes ventes. Et puis, on s'arrêtera là pour ce soir. On continuera lundi. Il y aura peut-être un live dimanche. Peut-être, c'est pas sûr. À voir. Par contre, les bébêtes, là... C'est pas très cool. Il est où l'autre feu de camp, du coup? Ah, il est là. Faut que j'aille jusqu'à là-bas. Bon, on va passer par là. Et là-bas, c'est quoi comme bébête? Que des veilleurs? Bon, ouais, ça va. Eux, ils se tuent facilement. Eux, normalement, ils devraient pas me poser de problème. En plus, il y a plein d'endroits pour se cacher ici, c'est cool. Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Oubliez-moi. Bon, après, c'est juste des petits veilleurs, mais bon. Ok, en plus, ils pensent m'avoir vu là-bas. Non, mais très bien. Et merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le pirater. Eh ben non, tu me chargeras pas. Eh ben non, tu me chargeras pas. Et voilà. Ça, c'est fait. Par contre... C'est quoi ça? C'est une charognarde, ça. Oups. Il y a quelle? Oh non, il y en a une autre là-bas. On va devoir se faire les charognardes. Ça va, elles sont que deux. Je peux pas les tuer, les pirater encore. Et voilà. Ça, c'est fait. Bon, c'est bon, je peux continuer d'avancer ou comment ça se passe là? Parce que bon, il y a un moment, voilà quoi. Il y a des hommes encore là-bas. C'est des bandits. Ouh, oui, c'est vrai qu'il y avait ces trucs-là aussi. Ces trucs-là aussi, c'était bien relou à tuer. C'est exact. J'avais oublié. Mais eux, on va pas se les faire. Non, non, non. Du coup, je serais bien d'avis à ce qu'on contourne, genre, bien comme il faut. Histoire de pas trop les attirer. De toute façon, ils sont occupés avec les bandits, hein, j'ai envie de dire. Les bandits, démerdez-vous. De toute façon, vous êtes des méchants. J'ai bien envie de piller un peu tout ce qui traîne, là. Au passage. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même vachement près d'eux. Tout ça pour des éclats de métal, quoi.
Ok, lui je l'ai eu. Et ben du coup on va se téléporter là-bas. Hop. Oui. On fait nos petites ventes et après j'arrête là. C'est déjà pas mal, je pense. Pour ce soir, on aura bien bossé. Quand tu veux le jeu. Et coucou Zingra. Et ouais, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas de vue du horizon. Bah en fait, je voulais recommencer, enfin je voulais reprendre ma partie pour le 24h. Sauf que le truc, c'est que bah, le petit truc un peu drôle, si tu veux, c'est que la partie que j'avais, c'était avec le compte de mon ex. Du coup, j'ai plus accès en fait. Du coup, vu qu'à distance, je peux me connecter que à mon compte à moi, bah, du coup, j'ai dû recommencer à zéro. Du coup, voilà, on a recommencé à zéro. J'ai recommencé un peu toute seule de mon côté. Et puis bah là du coup je continue avec vous. Ouais. Alors déjà on va vendre plein de trucs. Échange contre des éclats de métal, donc vas-y échange, ça on garde. Je vends que les trucs qui font échange contre les éclats de métal parce que de toute façon ça sert qu'à ça. Échange, 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 commerce, échange. Parle pas plus, ça me fait mal au cœur d'entendre. Bah ouais, je suis désolée. Mais ouais, ça m'a bien fait suer quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Ok, bon ben on a tout échangé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut acheter de beau? Voyons voir dans les armes déjà. Fronde de l'ombre. Mais il manque une tresse de cristal. Ah, mais j'ai déjà le lance-carbe Karja, l'arc de chasseur Karja. Et par contre, l'arc de précision, je crois que j'ai. J'en ai aucun d'ailleurs, tiens. J'ai le lance-corde, le lance-câble. L'arc de chasseur, mais j'ai pas l'arc de précision. On peut peut-être se l'acheter, l'arc de précision. Je sais pas ce que j'ai, tiens, fais voir. Arme. Arc de chasseur. Puissant arc Karja, arc long. Ah, j'ai pas l'arc... Lui, il fait 118, 24, 26, 20... Ouais. Après celui-là, pour l'armure, c'est pas mal. Je sais pas trop. Le mien est pas mal quand même. Hein. Celui-là, je l'aime bien parce que j'arrive bien à le manier. Il fait quand même un peu de dégâts. Et en plus, il y a les flèches de feu. Est-ce que j'en ai... Je crois pas que j'en ai un qui fasse des dégâts sur l'armure. Non. Du coup, je vais peut-être le prendre quand même. On sait jamais. Tac, celui-là. Ouais, je vais le prendre. De toute façon, au pire, on pourra le revendre. Et puis, je vais le mettre, ouais, sur celui-là, je pense. Parce que le... C'est vrai que celui-là, j'utilise pas trop. Le crotal, j'utilise pas des masses. Ensuite, niveau tenue, qu'est-ce qu'on peut prendre? Oh, il y a des trucs sympas ici. Protectrice Nora lourd. Armure de brave Nora renforcée destinée aux guerriers. Plastron métallique protège contre les attaques de combat rapprochés. Ça peut être pas mal. Endurance protection contre les éléments accrus. Ça peut être pas mal aussi. Cœur durci, fourrure tissée avec des plaques issues de machine protège contre le gel. Sauf que je crois. Ah si, c'est le gel en plus. Donc c'est celle-là qu'il faudrait que je prenne pour le. Petit rappel, s'il y en a qui se souviennent, dans le creuset, c'est du gel qui nous balance le méchant, là. Ou c'est pas du gel, ou c'est du feu, je sais plus. J'ai un doute. Gel ou feu ?
Je ne sais plus, mais je crois que celle-là, elle était pas mal, hein. Je sais pas. Et celle-là, contre la corruption. Donc ça, quand je fais les trucs... Bah, les quêtes de corruption, c'est du gel qui balance. Et ben du coup, je vais peut-être prendre celle-là, du coup, pour faire le creuset. J'achèterais bien celle-là. Allez, hop, on achète celle-là, c'est fait. Voilà. On a échangé. Et du coup, ouais, celle-là, il me manquera 60 éclats de métal pour pouvoir l'acheter. Mais je l'achèterais bien aussi pour la corruption. Ça peut être pas mal. Et puis, je pense que je m'achèterais celle-là aussi. Je sais pas si c'est pas celle-là qu'il a acheté, Oran. T'es encore là, Mine, ou pas? Non, il est plus là. Je crois que c'est celle-là qu'il a acheté, Oran. Mais celle-là, elle est vraiment pas mal. Hein. En bleu, là. Ah, quoique non. Non, c'est celle-là qu'il a acheté, je crois. Je sais plus. Ou celle-là, je sais plus. Mais ouais, elles sont pas mal quand même. Bref, j'achèterai ça la prochaine fois. Et fais voir au niveau des modificateurs. Est-ce que... Non, il en vend pas des modificateurs. Ah, elles sont là les cartes. C'est vrai qu'il y a les cartes. Fleur de métal, statuette Banuk, réceptacle antique, projecteur. Bah autant, j'ai bien envie de les acheter. Hein. Comme ça sera fait. Comme ça, je pourrais les chercher et ce sera cool. Boîte de modification. Ah mince, j'aurais dû prendre celle-là. Ouais, mais de toute façon, j'en ai pas assez. Flambeur d'éclat. Échantillon gratuit. Bah voilà. Piège. Est-ce que je peux les crafter, les potions anti-gel? Je sais plus. Je vais à la frontière. Tu es marchand. Que tu sais de la tribu? Je n'ai jamais quitté les terres sacrées, mais je fais affaire avec des étrangers garja de temps à autre. Ok, plus Raven Pets. Quant à Méridian, il ne parle que d'elle. Bâti au sommet du Nessa, avec des tours aussi immenses que des... C'est vrai que Méridian, c'est super joli là-bas. L'esclavage. Mais leur nouveau roi l'a interdit désormais. Il doit être plus intéressé par la justice que par le bâtiment. Adieu. À jamais. Non, quand même pas. Du coup, est-ce qu'on peut, au niveau de l'artisanat, déjà, je vais modifier mon arc là. Oh, j'ai que ça comme modification. Je peux lui rajouter un comme ça. Sera pas mal, et soit un deuxième comme ça, soit du maniement. Je pense que je vais plutôt lui mettre du maniement. Est-ce que j'aurais pas d'abord dû ouvrir mes boîtes flambées, lentilles de testudiant? Ok. Tissu de tenue, lentilles de tracker. Après, c'est des trucs un peu de base. Tissu de tenue, ah, ça c'est un truc un peu plus rare. Ça aussi. Ok. Bon, bah on a plus de boîte. Du coup, modification. Non, tenue. Non, c'est dans artisanat en plus. Du coup, lui, c'est bon, on l'a modifié. Front de Karja. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Ouais, si c'est sur celui-là. Celle-là, elle est pas mal. Parce que la fronde, je l'utilise pour immobiliser. Du coup, c'est pas mal. Ok, et sur l'armure, du coup, on va rajouter des modificateurs. Bon, on va rajouter de l'antigel, hein, je crois.
On va pas rajouter de ça parce que ça sert un peu à rien. Et ça, c'est quoi? Anti-attaque à distance. Anti-attaque de mêlée. Autant, je crois qu'on va rajouter de l'anti-gel. Hein. Et anti-attaque à distance, celui-là, il est vraiment pas mal. Et pour le deuxième... J'ai bien envie de lui remettre de l'attaque à distance. Électricité, on n'en a pas encore. Ouais, j'ai bien envie de lui mettre de l'anti-attaque à distance. Allez hop, c'est parti. Bon, bah on a une super armure. Ça, c'est cool. Est-ce que je peux faire des potions de résistance? Anti-gel. Ouais. Ça, je peux. Et j'en ferai bien des anti-feu aussi. Et antidote, ça, c'est contre la corruption. Ça, on peut s'en faire aussi. Ça sera toujours fait. Et bon, ça, on peut s'en faire pas mal aussi, même si pour le moment, on n'a pas besoin. Mais il y a juste des antigels que j'ai pas assez. Du coup, je vais aller en acheter. Et puis, voilà. C'est moi où il y a aussi des lance-roquettes. Non, il n'y a pas de lance-roquettes. Tu as rêvé. C'est quoi que tu appelles les lance-roquettes? C'est quoi, c'est ça? Non, ça, c'est un crotal. Ça lance des carreaux de flèches. Mais c'est tout. Et on a 3 points de compétences aussi. Il faudrait peut-être qu'on en... Et ça, c'est des grosses machines... C'est des gros flingues, quoi, mais c'est tout. Beaucoup plus de chances de détacher le blindage. Ça, pour le moment, c'est pas très important. Récupérer les ressources supplémentaires sur les machines abattues, ça peut être pas mal. Ça, pour le moment, c'est pas bien important non plus. Alors, soit je prends ça... 15% de dégâts infligés par les frappes. Ça peut être pas mal. Genre vraiment. Et ça aussi. Ah, je suis mitigée là. Maintenez rond pour une esquive roulée longue ou appuyez sur rond pour une esquive roulée courte. Ah, ça peut être pas mal aussi. Non, je vais prendre ça, je pense. Les dégâts. Genre celle-là. Ouais, je sais pas, pour le moment, c'est pas très... Enfin, pour le moment, j'ai pas des grosses machines, du coup. Les machines, les petites machines, je les one-shot. Après... C'est vrai que pour le creuser, ouais, pour le moment, si je veux aller faire le creuser, le mieux, c'est... Après, celle-là, elle est pas mal aussi. L'attaque puissante, 15% de dégâts en plus. Infligée par les frappes, c'est pas mal aussi. Hein. Je vais prendre celle-là, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt celle-là ou plutôt le bouclier, là? Précision plus. Attaque légère à la lance ou attaque puissante? Ben ouais, contre le gros là, bah c'est celui qu'on va aller se faire lundi là, et du coup, ouais, je sais pas trop. Oh oui, quoi? J'adore Riolf. Je pose une question? Oui. Ça ou ça? Oui. Merci Riolf. Ça répond pas à ma question. Du coup, que fais-je? Rôdeuse ou brave? Moi, je partirais bien sur rôdeuse. Ah, le boubou. Ouais. Le loulou, il était vraiment méchant. Moi, je pense que je vais prendre le rôdeuse quand même. Enfin, l'attaque puissante.
Bon allez, je prends l'attaque puissante. Adjugé vendu. Ça, c'est dit. Pourquoi on a encore une quête en vert là? Je vais juste aller la débloquer. Oui, je sais, j'ai du mal à m'arrêter sur ce jeu. C'est une horreur. Hein. Mais non, faut que j'arrête parce qu'après, faut que j'aille manger. Ah, mais c'est Sona qui est revenue. Chef Sona, tu as décidé de renforcer les défenses? Rôdeuse, ouais. Pas de vous aider. Très bien. Il nous faut des cornes filantes. Elles font de la givre lymphe. Et nous avons aussi besoin de leur outil. J'ai de la givre lymphe. Parfait. Avec la glace et le feu, nous repoussons les machines. Il ne manque plus que la lentille de cornes filantes. On peut en trouver à l'ouest d'ici. Ouais, ça j'en ai pas encore vu. Tour de guet et des réserves de flèches d'alerte. Apporte celle-ci à la tour d'or, monsieur. Merci, tu veux bien. Loupé Zingra. Ok. Bon bah ça c'est pas mal hein. Du coup là niveau quête. Alors déjà on va avoir j'ai toute j'ai la fleur là. Enfin j'ai toutes les fleurs de Matal qui sont apparues. C'est quoi ça? Je connais pas. Après là il y a les projecteurs aussi à trouver. Mais ça c'est toutes les quêtes un peu annexes secondaires et tout ça. Donc ça, on verra peut-être plus tard. On fera peut-être quand on fera à 100%, on refera toutes les zones et tout. On va se concentrer sur les quêtes principales pour le moment. À la limite, si on en trouve sur le chemin, on pourra les récupérer. Mais ça, c'est quoi? Les flèches d'alerte à Horn. Récupérer les pièces de corne filante. Ah oui, c'est celle qu'elle vient de me dire. Ok, d'accord. Ça, c'est les zones corrompues. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va pouvoir commencer à aller dans, dans cette zone-là, là, qu'on n'a pas encore découverte. Ça, ça va être cool. Mais les zones corrompues, je serais bien d'avis à les faire plus tard. Et du coup, lundi, on se ferait bien... on attaquerait bien par le creuset direct. Hein. Surtout qu'on a toutes les vies qu'il nous faut, toutes les potions qu'il nous faut, etc. Moi, je dis... Ah si, il y a peut-être... Celle-là, je peux en refaire. Ouais, je peux en refaire qu'une, par contre. Et je vais peut-être aller en acheter des potions. Comme ça, lundi, on attaque direct avec le creuset. YOLO. Ah, il est où, le marchand? Il est là. Ah, j'espère. Quelque chose te plaît? Alors, piège et potions... Inventaire plein, inventaire plein. Ça, il m'en fallait encore. Ok, là, on est plein. Après, ça, il m'en faut encore. Ça, on est plein. Et ça, je peux en acheter aussi. Ok, ça, on est full. Et ça, on est full. Bon, bah, on est full de partout. Du coup, ouais, lundi, on attaquera le creuset direct. Et après, le creuset, on ira se faire tout ce qui est zone de corruption et tout. Moi je dis, c'est un bon programme. C'est pas mal. Du coup, on se fera ça. Et après, ça c'est quoi? C'est une zone de chasse? Ouais. Et après, ouais, il y a quelques trucs à trouver, mais ça on les refera. On se refera toute une petite session exploration et recherche de trucs précieux. Et puis on découvrira aussi le DLC, mais ça pareil, on le fera à la fin. Enfin, à la fin. Quand on aura déjà pas mal avancé, je pense. Et là, le premier objectif de lundi, ça va être le creuset. Voilà. Bref, sur ce, moi, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à lundi. Ou peut-être à dimanche, si je live dimanche. Ce sera sur du Minecraft, sûrement. Mais voilà. Du coup, des bisous à tous. Mouah. Prêt à tout pour sauver.